us. Prends ta Bible. Ésaïe 53. Mekebo Shakata. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. J'ai dit l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Chacun est en train de faire ce qu'il est appelé à faire. Satan fait son travail et Dieu fait son travail. Quelqu'un m'entend? Satan, il fait son travail, Dieu aussi fait son travail. Est-ce que ton voisin a compris ce que tu étais en train de dire? Il ne peut pas comprendre ça. Dis, Dieu fait son travail. Ésaïe 53, le verset 5. On lit la parole du Seigneur. Ésaïe 53, verset 5. Je vais lire la parole de Dieu, vous permettez. Ésaïe 53, je lis à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. God. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il a été brisé pour nos iniquités. Quelqu'un dit amen. Amen. Restons debout et lisons le psaume 51 avant de s'asseoir. Le psaume 51, le verset 17. 51, verset 17. Je veux que ton esprit soit préparé ce matin. Il y a une nouvelle qui va sécuriser les 6 premiers mois de l'année. Cette nouvelle va te conduire comme la nouvelle, la nourriture a conduit Élie pendant 40 jours. Cette nouvelle ce matin, en tout cas si tu es destiné pour la vie éternelle, ça va te proclamer et te conduire très loin. Ésaïe, j'ai dit quoi? Le psaume, verset combien? Verset combien? Lisons, je lis. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ce ne sont ni, lève la tête, les offrandes, ni les sacrifices que Dieu cherche, mais Dieu cherche un esprit brisé. C'est ce qui a plus de valeur que toute autre offrande que nous apportons à Dieu. Ce qui revient à dire, lève la tête quand on parle. Regarde celui qui te parle. Et assieds-toi. La parole de Dieu déclare cette parole forte. Que notre Seigneur a été brisé pour nos iniquités. Ce qui revient à dire que le brisement est fondamental. Le thème de notre culte ce matin, le brisement, le préalable de toute élévation divine. Le brisement, le préalable de toute élévation divine. Si vous voyez un homme, un croyant, un élu, dans la marche chrétienne, qui est élevé, ne cherche pas trop à comprendre. C'est que cet homme ou cette femme est passé par l'école du potier. Les oreilles insensibles ne comprendront pas. J'ai dit, c'est qu'il est passé à l'école du potier. Il y a quelque chose que nous devons comprendre, frère. Lève la tête. Dieu ne lève personne et ne peut élever un homme dans la masse chrétienne, dans la foi chrétienne, en dehors du brisement.
Et vous savez avec moi que, regardez ici, j'ai un verre dans la main, je laisse tomber le verre. Dès qu'un verre se casse, suivez mon regard et comprenez dans l'esprit. Automatiquement, comme notre sœur l'a dit tout à l'heure, on demande aux enfants maintenant de s'éloigner. Et toi-même, qui es une grande personne, on te demande de faire très attention. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dès l'instant où le verre est cassé, il perd sa valeur. Il n'est plus utile. Et il devient un danger, même pour celui qui l'utilisait il y a quelques secondes. C'est pourquoi dès qu'un verre se casse, on demande à tout le monde de reculer. Reculer, 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 ne passez pas là. Et c'est là que Dieu nous conduit. Je voudrais que tu écoutes ce matin. J'ai dit aux frères à l'école des leaders, si ce message ce matin ne te positionne pas, je doute de ton salut. Je pèse mes mots. Si ce message ce matin ne te remène pas et ne te ramène pas dans le droit chemin et ne te fortifie pas, ne t'enracine pas, il y a un problème divin dans ta vie. Un problème spirituel. Tu as un problème avec le surnaturel. Voyez, quand le verre se casse, il perd sa valeur. Même si c'est un verre qu'on avait acheté à 50 000 francs l'unité, dès l'instant où il est cassé, humainement parlant, on commence à s'en méfier, on commence à reculer, on commence maintenant à faire quoi? À prendre des précautions pour ne pas être blessé par ce verre. Sur le chemin de la gloire, de l'élévation, on ne prie pas juste pour réclamer l'élévation, on ne prie pas pour avoir le couronnement, on ne prie pas pour être couronné, pour être positionné. Il y a un processus, il y a un chemin, il y a une voie que Dieu utilisera. Et cette voie, ce chemin passe obligatoirement par le brisement. C'est pourquoi tout ce que Dieu utilise, c'est ce qu'il a déjà brisé. Dieu n'utilise pas un homme, une femme dans un domaine quelconque s'il n'a pas brisé cette personne. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y avait deux disciples d'Emmaüs. Quand Jésus est mort, il est ressuscité d'entre les morts. Et Jésus par terre, Jésus les suivait. Regarde ici, Jésus les suivait. Jésus les suivait. Ils partaient. Ils avaient quitté Jérusalem, qui est la ville sainte, la ville du grand roi, la ville de paix. Et ils partaient à Emmaüs. Parce qu'il n'avait pas l'épignoxis, il n'avait pas la révélation. Et comme ils partaient dans cette ville obscure, le Seigneur les a suivis. Voyez comment Dieu est bon. Même lorsque dans ta folie, tu empruntes un chemin qui ne vient pas véritablement du cœur de Dieu et qui va te conduire dans la perdition, le Seigneur, dans son amour, il peut te trouver sur le chemin. Laisse quelqu'un répondre. S'il te plaît, ce matin, il faut m'écouter. Ne me trouble pas. Laisse quelqu'un qui est dans l'esprit dire. Voyez, quand quelqu'un répond amen et que cet amen vient de l'esprit, il vient du Messia, ça conforte ton intérieur, toi qui parles. Le Seigneur les rejoint dans le chemin. Et le Seigneur marche avec eux et il fait comme s'il va à Emmaüs. Parce que ses deux disciples allaient à Emmaüs. Et comme il les aime et qu'il a donné sa vie pour eux, il les a trouvés sur le chemin de l'égarement. Il les suivait sur le chemin d'égarement jusqu'à Emmaüs. En vérité, le Seigneur va te trouver sur ton chemin. Regarde, regarde, regarde où le Seigneur t'a trouvé. Regarde où il t'a trouvé. En vérité, dans cet endroit, le Seigneur ne pouvait pas aller là-bas. Mais il est allé là à cause de toi. Il les trouve sur le chemin d'Emmaüs, il les conduit. Et la parole de Dieu déclare, ils ne l'ont pas reconnu. Il a parlé avec eux. On reconnaît un homme par le timbre de sa voix. Voyez, même dans la nuit, quand quelqu'un parle, vous savez qui vous parle. Est-ce que quelqu'un me suit?
Ils n'ont pas reconnu la voix du maître. Ils n'ont pas reconnu le timbre vocal. Et pourtant, Jésus venait de mourir, ça fait 3 jours. Et ça fait 3 jours qu'il ressuscitait d'entre les morts. 3 jours qu'il était mort, et c'était le jour où il est ressuscité d'entre les morts qu'il leur parle. Comment quelqu'un que vous n'avez pas vu, ça fait 3 jours, il parle, et vous n'êtes pas capable de décoder le timbre de sa voix? Dit, il y a un problème. Il les suit et ils étaient en train de dire, il leur dit, de quoi parlez-vous? Ils lui ont dit, tu es le seul en Israël et à Jérusalem qui ne sait pas qu'il y a un homme qui s'appelle Yeshua. Il y a quelques 3 jours, on a marché avec lui pendant 3 ans. C'était un prophète. Ils mettent Jésus maintenant dans le passé. Dès qu'un problème survient, vous savez, parmi nous, Dieu va éprouver la foi de chacun. Le test, sans le test, on ne te délivrera jamais d'attestation. C'est pourquoi quelqu'un peut faire semblant de crier, de prier en langue, d'être converti. Ne croyez pas à ces simagrées. Attendez qu'il y ait un test dans sa vie. Dis, j'espère que tu n'es pas un plaisantin. Tape dans son dos. Dis, j'espère que tu n'es pas un plaisantin, un hypocrite. C'est le problème qui va te révéler. Des gens peuvent crier, tomber à tranche. Ne les croyez pas. Attendez qu'une situation survienne dans sa vie. C'est là que sa foi sera éprouvée. Et quand sa foi sera éprouvée, tu sauras véritablement s'il est de Dieu. Parce qu'en vérité, Dieu ne nous brise pas pour nous détruire. Dieu nous brise pour 4 choses que je vais te dire. Premièrement, écrit, pour façonner notre caractère. Quand Dieu te brise, c'est pour façonner ton caractère. Façonner ta manière de penser, ton système de pensée, ta façon de réfléchir, ton intelligence. La deuxième chose, Dieu nous brise pour nous délivrer de nous-mêmes. Dieu va te délivrer. Tant qu'il ne te met pas dans une situation critique, tu auras toujours confiance dans tes capacités. Quelqu'un me comprend. Chacun de nous avait foi dans ses capacités. Tu as l'impression que tu es fort. Tu as l'impression que tu es sans défaut. Tu as l'impression que tu es arrivé à un stade où tu ne peux plus tomber. Tu as l'impression que là où tu es, avec tout ce que tu as vécu, tu es prêt. Mais en vérité, tu ne sais pas que tu ne sais pas qu'en vérité, tu n'es pas prêt. Les jeunes gens disent, je suis prêt. Mais en vérité, tu n'es pas prêt. Dis, frère, il faut appuyer. Laisse ton voisin parler. Je ne veux pas entendre ta voix, ça ne me convient pas. Laisse ton voisin. Dis, frère, parle-moi. Je n'ai pas encore entendu la voix de l'élu. Dis, frère, faut nous parler. Pierre était suffisant. Voyez, le brisement vient pour mettre à nu ta capacité. Tu crois que tu es fort, mais en vérité, c'est parce que tu ne te connais pas. Pierre dit à Jésus, maître, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Je suis prêt à donner, à sacrifier ma vie pour toi. Jésus dit, aujourd'hui même avant que le coq ne chante, une seule fois, toi tu vas devancer le coq. Le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Et pourtant Pierre était certain. Il a dit, mais tu te souviens quand l'esprit est venu sur moi, mais que ma catarébauche, Seigneur, quand tu as dit de qui tu es, je t'ai révélé et c'est le Père qui m'a oué. Je sens encore la puissance. Je t'ai révélé que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, ce sont des bris de révélation. C'est ce qui trompe plusieurs. Dès que quelqu'un tombe en transe, il se réveille, il prie pour 2 personnes qui sont libérées, guéries. Il croit qu'il a un dépôt. Tu te trompes. Tu as mis l'aiguille dans ton œil, ton œil à toi. Pierre était suffisant. À chaque fois que Jésus parlait, il disait aux gens, taisez-vous. Vous vous souvenez, c'est moi qui ai révélé que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous savez, à l'église, on m'a nommé responsable. Hein? Et sur votre responsable, vous comprenez? Ton bras devient comme un tendon. Tu te crois au sommet. Parmi les serviteurs,
Tu crois que tu es le Django, le champion. Les chantres, tu crois que tu es le nombriliste et que sans toi, on ne pourra jamais louer Dieu. C'est parce que tu es en train de perdre ton âme que de telles pensées viennent en toi. Dans la chorale, tu diras, mais moi, je prends ma retraite. Hein, je vais dire à Francine que tu vois, moi, je ne chanterai plus. Hein. Et je suis convaincu au nom de Dieu que je sais. Je quitte la chorale tombe. Que le ciel nous juge. Si c'est toi qui es l'alpha et l'oméga. Tu n'es rien et tu seras rien. En vérité, c'est Christ. Vous savez, la lune ne brille pas. C'est la lumière du soleil qui fait briller la lune. Tu n'es rien sans Christ. Et les sentiments que tu as démontrent que tu n'as jamais rencontré Christ. Quand quelqu'un croit être quelque chose, c'est parce qu'il n'est rien. Avant que le coq ne chante, Pierre a renié Jésus. Je vous ai démontré il y a 2 semaines. Il a dit, je ne connais pas cet homme. Maintenant, il appelle Jésus cet homme. Il a dit, je ne connais pas. Il a fait des imprécations. Il a même juré. Il a juré sur son avenir. Il a dit, il ne connaît pas Jésus. Et pourtant, cet homme, voyez, parce que Pierre n'était pas brisé. Quand tu n'es pas brisé, tu as une confiance absolue discrètement dans tes capacités intérieures. Tu crois que tu es fort. Tu crois que tu es arrivé. C'est pourquoi tu sautes les cultes. Regardez les imbus autour de vous. Des orgueilleux, diacres, pasteurs, anciens, chrétiens simples. Regarde comment chacun est imbu. Il croit connaître. Oh, vendredi, on va, ça pour faire quoi? C'est le même message de la croix là. Je suis fatigué. Que le ciel soit ton juge. Tu es fatigué de la croix. Sans celle-là, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de paradis. On est ce qu'on n'est pas, l'œuvre de la croix. Tu es rassasié? Tu veux parler comme les Juifs pour mourir dans le désert? Tu sautes les cultes parce que tu as un problème intérieur. Bien! Il a été, voyez, le troisième point, le brisement. Pourquoi Dieu nous brise? Pourquoi façonner notre caractère, nous délivrer de nous-mêmes, développer notre foi en Christ. C'est-à-dire, le brisement. Et Dieu va utiliser des épreuves, des situations, des humiliations, des rejets, des abandons. Des problèmes et des situations humiliantes. Des situations humiliantes que Dieu va mettre devant toi. Il va te faire traverser ces situations humiliantes pour te briser. En vérité, pour t'amener à faire quoi? À développer ta foi. Tu crois que ta foi est forte. C'est pourquoi il a reproché aux disciples. Il dit, homme de peu de foi. Comment il peut être dans la barque? Et les apôtres, les disciples pensaient que la barque allait s'éloigner avec Jésus. Et pourtant, ils savent que Jésus a dit, il faut que je meure à la croix. Comment se fait-il que cet homme, étant dans la barque, allait se noyer? Or, il n'a pas encore accompli la mission pour laquelle il est venu. Mais comme il n'avait pas foi en celui qui est couché, si seulement le Galiléen pouvait être là. Jésus est là, mais ils n'ont pas confiance en lui. Regarde. Dieu va te briser pour que ta foi se développe. Tu crois avoir une foi, mais ta foi est fondée sur la vue. Ta foi n'est pas fondée sur des choses invisibles. Est-ce que quelqu'un comprend? Non, est-ce que quelqu'un comprend? Non, laisse quelqu'un répondre et je vais comprendre. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Développer ta foi. Enraciner ta foi. Amener ta foi à être innée. Aide-moi, innée. Il va rendre ta foi innée, branlable. Quelles que soient les situations, il faudrait que tu continues. Même si les choses ne changent pas en ta faveur, tu continues de croire que le Dieu des Hébreux est vivant et ton âme est vivante. Même si tu n'as pas reçu ce pourquoi le Seigneur t'a parlé, que la chose tarde, tu continues de croire en lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Afin que tu lui donnes toute la gloire
Et pour terminer, pour nous délivrer de l'orgueil. Tout homme a des fibres d'orgueil dans sa vie. À un certain moment, tu crois secrètement dans ton cœur qu'en vérité, tu es trop important. Mais Dieu, tant qu'il ne t'a pas fait passer dans la boue, quand il te brise, ça peut être une situation humiliante, ça peut être un problème qui survient dans ta vie. Et le problème là va t'amener à voir le dos au mur. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. Joseph se réveille, mais Joseph ne savait pas que le plan de Dieu sur sa vie allait passer par un principe qu'on appelle le principe inaliénable. Un préalable, c'est quelque chose qui existe avant. Ce qui doit être fait d'abord. Dieu ne lève personne s'il ne te fait pas passer. Et tant qu'il ne te fait pas passer par le brisement, que tu es élevé, l'élévation que tu as connue ne te servira pas. Dis frère, explique-moi. Non, dis explique-moi. Mais c'est ce qui est arrivé à David et à un certain Salomon, son fils. David est passé par la voie de la mort. David a traversé la vallée de l'ombre de la mort. David a connu des attaques, des humiliations, des abaissements, des rejets. C'est ce qu'il a forgé et forgé son caractère. Ce qui a bâti David, ce qui a fondé David, c'était les épreuves. C'est les épreuves qui vont t'enraciner. David est passé plusieurs fois par un brisement. Aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui aiment le riz cassé deux fois. Dis à moi, c'est riz cassé, je mange. Mais c'est prophétique. C'est pareil pour Dieu. Dieu mange que ce qui est cassé. Tu vois, tu ne réponds plus, ta bouche se ferme. Il dit, Dieu mange ce qui est cassé. De façon, tu aimes riz cassé. C'est comme ça que Dieu aime l'homme cassé, l'homme brisé. Parce que quand il envoyait son fils n'allait pas arriver quelque part et devenir et rentrer dans la promesse s'il n'était pas brisé. C'est pourquoi le brisement est obligatoire. Tant que Dieu ne t'a pas brisé, prenez une noix de coco. Vous allez consommer ça comment? Boire le jus comment? Et manger la chair comment? De la même manière que quand un verre se brise, il perd sa valeur, Dieu, il accorde une grande valeur à tout homme qui est brisé. David est passé par là. David a connu le brisement à plusieurs reprises. Un jour, ils sont venus enlever sa femme et ses enfants. Un jour, quelqu'un a pris du sable et il a versé sur David pour lui dire, tu es un bâtard, chien mort, toi tu es un vaurien, David. Or, David, depuis que le monde est mort, aucun être humain n'a dit à David, tu es un bâtard. Il n'a jamais versé du sable sur David. Mais David était dans le brisement. David était dans le processus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, ne laisse personne répondre avant toi. J'ai dit, David était dans le processus du brisement. Dans le processus de l'abaissement. Il a accepté de perdre son honneur. Il a accepté. Le brisement t'amène à renoncer à ce que tu considères comme de l'or, ce que tu considères comme indispensable. Dieu va te vider de toi. Pour que toi-même tu dis, je n'ai plus confiance. Ta beauté est éphémère. C'est sur ça que tu comptes pour dire, mon mariage est sécurisé. Tu mens. Tu vas avoir un garçon, mais tu n'auras pas un homme selon le cœur de Dieu. Il y a des frères que j'ai rencontrés qui disent, ils comptent sur leur diplôme, mais tu es le plus misérable des croyants. Ton diplôme est important, mais n'est pas essentiel. Si tu mets ta confiance dans tes diplômes, tu es fini. C'est pourquoi pour moi, toi bien, arrange-toi bien. Mais ça, c'est 2%. Ta beauté là. Les gens comme toi, il y en a 1 milliard. Beauté comme ça. Il y a des beautés artificielles. Ton teint là, c'est ça, tu es né avec. Mais on apprécie ça. On aime bien ta peau mal, son effet.
Mais il y a des beautés qui dépassent pour toi là. Nez droit, il y en a beaucoup. Ça, il y en a qui est bien droit. Les montagnes russes, il y en a. La taille, ça est là. Donc quand tu regardes tous ces principes de beauté là, toi-même tu n'as plus confiance en toi. Et c'est quand tu n'as pas confiance que l'Éternel se révèle à toi. Mais quand vous voyez une sœur qui dit, papa, moi je n'ai pas besoin de prier. En tout cas actuellement ma prière est sur autre chose. Mariage là, ça est sous ma main. Une sœur m'a dit ça ici. On lui a dit, mais pourquoi tu ne viens pas au cours de, à la cellule des femmes en voie de mariage? Elle dit, ah papa, ce n'est pas ce qui me préoccupe. Ma préoccupation ailleurs. Je l'ai regardé. Que Dieu soit loué. Elle dit amen. Mais ce n'est pas ce que je venais de dire. Le jour qu'aujourd'hui elle n'est pas mariée, et je sais que ça va mettre encore du temps. Parce que tu n'es pas sage et ton intelligence n'est pas renouvelée. Les belles femmes comme toi là, elles viennent crier vers la face de Dieu pour dire, Seigneur, ce n'est pas un homme que je cherche. Je cherche un homme selon toi, ton cœur. Sinon, s'il y a garçon, il y en a. Des gens qui veulent coucher avec toi, il y en a beaucoup. Mais des gens qui vont te chérir, il n'y en a pas assez. C'est pour ça qu'on vient prier pour que Dieu les trie. Mais comme tu n'as pas la révélation, tu dis, tu ne pries pas pour mariage parce que ta beauté ne ment pas. Que le ciel te fasse reculer. Tu attends encore 15 ans. Tu es orgueilleuse. Ta beauté. Il y en a plus belle que toi, mais prie. Il y en a plus propre, sans produit. David est passé par le brisement. C'est pourquoi il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien parce que tu es avec moi. Mais son fils Salomon n'a pas connu d'épreuve. Pendant son règne, il n'y a pas eu guerre. Personne ne l'a attaqué. Il n'a pas d'ennemi. Dis, hein? Dis, frère, alors, il faut appuyer alors. C'est pourquoi lui, il est allé devant et derrière les dieux étranger. David, il connaît, il aime femme, mais il n'a jamais adoré un autre Dieu que le Dieu. Il n'est pas dit à catégorie de péché, hein? Mais il y a des choses, quand tu rentres dedans, ça montre que tu n'as jamais connu Dieu. David, il prend femme des gens comme amusement. Dieu voit. Il dit, c'est quoi tu fais là? Il dit, il vient de prendre la femme de choses là. De qui? Oui. Non, même pas Uri. Parlons de l'autre d'abord. Comment il s'appelle? Nabal. Elle s'appelle Abigail. Il a pris ça. Dieu, il va vous révéler. Dieu n'a rien dit là. Quand David prend femme des gens là, Dieu ne parle pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'était la saison. Tu as 10, c'est en fonction de ta poche. Tu prends femme de quelqu'un, c'est en fonction de ta poche. Mais là où Dieu est fâché avec David et qui a fait qu'il n'a pas pu bâtir le temple, de vous révéler ça? De vous dire ou bien de laisser? Non, mais façon de parler, je comprends. Dieu dit, tu as du sang innocent sur ta main. Il n'a pas dit des sangs. Le jour où il a tué Uriah, Dieu était fâché à lui. Dis, mais regarde comment tu as pris la femme de Nabal. Attends que le monsieur meure, puis tu prends sa femme. Mais tu le tues, David. Tu es allé loin. Il y a des choses qu'il faut attendre. Ne prends pas pour quelqu'un. Ne fais pas des coups bas pour prendre son honneur, sa réputation. Ça ne va pas te profiter. Si vous voyez quelqu'un ne lève pas sa main, méfiez-vous de lui. Tu ne sais pas s'il veut prendre ta femme ou ton mari ou ton enfant. Dis, il n'existe pas. Donc, voyez, Salomon va aller derrière des dieux étrangers. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été secoué dans sa vie.
Vous savez, les enfants gâtés, c'est eux qui ne réussissent pas. C'est ceux qui partaient à l'école, au CPR, on leur donne 50 000. 50 000 francs, il va au CPR. J'étais en sixième. Ma tante me donne 50. Faut pas dire 1000. 50 francs. Sixième. J'ai fait quoi à 50? Je prends. Si elle me donne 50 francs au sixième, réfléchis. Si elle me donne là, elle me donnait combien? C'est pourquoi, tu vois, Dieu te forge, Dieu te façonne, Dieu te brise. Dieu a commencé son œuvre depuis quand il était païen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le brisement, c'est pour te façonner, pour que quand tu arriveras au sommet, tu donnes la gloire pas à un homme, mais que tu donnes la gloire à notre Seigneur. Alléluia. Tu ne diras pas je suis ce que je suis par mon intelligence, par mon diplôme, par ma capacité. Tu diras et tu ne prieras même pas pour l'orgueil, parce que Dieu t'a vidé. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Il t'a déjà vidé. Là où tu es, tu n'es plus rien. Normalement, ta beauté, quand on regarde, il n'y avait pas cicatrice. Maintenant, tu as trois cicatrices. Et ça est les trois cicatrices que le Seigneur t'a envoyé un homme. Donc là, quand tu regardes, tu vois que ta beauté initiale, c'est pas sur cette base qu'il y a eu un homme selon Dieu. Mais c'est quand toi-même, tu n'avais plus confiance en ta beauté. C'est là que Dieu t'a béni. Est-ce que quelqu'un comprend? Pour que tu ne dises pas, c'est pas ma force. Dieu veut te vider de toi. Tant que tu auras confiance en toi et non pas en Christ, ça ne marchera pas. Maintenant, allons dans le message du jour. C'est maintenant le message commence. Il n'y a pas d'élévation divine sans brisement et humiliation. Or, le brisement te conduit inévitablement dans l'humiliation. C'est-à-dire, quand Dieu va te faire passer par le chemin du brisement, même des frères et sœurs en Christ vont bouder. Ils vont se demander, qu'est-ce que tu es devenu, Léa? Qu'est-ce que tu as eu? C'est quelle épreuve ça? Je peux tout accepter. C'est quoi ça? Dieu est en train de te faire passer par l'école du potier. C'est-à-dire, il est en train de te malaxer, mélanger. Toi-même, quand on regarde, tu n'as pas de forme. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas le message là, ce n'est pas pour tout le monde. Je le dis devant Dieu. Ce message, le Seigneur m'a parlé depuis 48 heures. C'est pour quelqu'un qui est là. Ce message-là, c'est pour quelqu'un que le Seigneur est en train de façonner pour le sommet. Quelqu'un est en train de façonner. Parce que tout à l'heure, l'esprit prophétique va s'emparer de la salle. Ceux qui ont l'esprit ouvert, ils comprendront que ce message est pour quelqu'un qui est destiné. Vous savez, quand tu n'as pas un mandat divin, tu ne peux pas connaître ses brisements, ses attaques, ses épreuves. Prenez Luc chapitre 1 dans mon message. Allons-y. Luc chapitre 1. C'est pourquoi Joseph, en Genèse 41, nous l'avons vu. Il a souffert quand il se réveille le matin. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il se lève, lève la tête. Il se lève, il dit, papa, maman, je viens d'avoir un songe. Papa, je viens d'avoir un songe. C'est comme si le soleil et la lune, papa, se prosternaient devant moi. Il pensait que ce qu'il voyait allait s'accomplir en deux jours. Il ne savait pas que Dieu te révèle d'abord l'oméga avant de te faire passer par l'alpha. Non, il ne m'a pas compris. Dieu te révèle d'abord l'oméga, c'est-à-dire ta fin.
Et c'est maintenant qu'il va te faire passer par l'alpha. C'est-à-dire là où tu vas arriver là. C'est ce qu'il te montre. Maintenant, il va te faire passer par l'alpha. Quand il a montré l'oméga à Joseph, il a montré à Joseph, tu seras élevé. À chaque fois que Joseph rêve, il voit l'élévation divine. Il voit que ce n'est pas une main humaine qui l'élève. C'est Dieu qui l'élève. Parce que toute élévation, vous savez, les élévations, ça vient de trois types de personnes. Le diable peut t'élever, l'homme peut t'élever et Dieu peut t'élever. Dis frère, explique-nous. La Bible dit qu'un jour, le diable a élevé Jésus. Oui. Il a élevé au-dessus du temple. Le diable peut élever un frère. Mais il ne sait pas que le poste, la promotion, le mariage qu'il a eu vient du diable. Mais parce que tout s'est fait dans l'église, il a l'impression que ça vient de Dieu. Or, c'est le diable qui l'a élevé pour prendre son âme. Le diable a élevé Jésus-Christ. Il a soulevé. Le tout ne cherche pas, le tout ne se résume pas à l'élévation. Mais c'est de savoir qui t'a élevé. Eliane, tu comprends quelque chose? Je suis élevé, c'est vrai. Qui t'a élevé? Qui t'a positionné? Toi-même? Le diable? Ou Yeshua? Quand le diable a élevé Jésus, Jésus a dit, laisse-moi. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes, je te donnerai ceci. Et après, il a pris, il a élevé sur le toit du temple. Et il dit à Jésus, tu vois, regarde toutes ces richesses. C'est lui qui a élevé Jésus. Le diable peut t'élever. Mais tu ne peux pas savoir que c'est lui qui t'a élevé. Mais les signes qui vont montrer que c'est le diable, c'est que tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Ton amour pour Dieu commence à baisser. Et pourtant, tu prétends avoir une promotion. Et pourtant, tu prétends avoir reçu faveur et grâce. Mais ton amour pour le Seigneur diminue. Ton cœur commence à s'attacher à d'autres dieux que le Dieu des cieux. Toi qui aimais une seule femme, un seul homme, tu vois que non, tu dois relativiser. Que la femme que tu as eue avant de rentrer dans la gloire, là, cette femme-là n'est pas la femme de ta vie. Il faut que tu trouves une femme de ministère. Une femme à ta dimension. Regarde, ça montre que depuis le commencement, ce n'est pas Yeshua qui t'a élevé. Ce n'est pas Yeshua qui t'a mis dans ce mariage. Ce n'est pas Yeshua qui t'a positionné. Ce n'est pas Yeshua! Laissez-le. L'esprit prophétique est dans la salle. Celui qui a l'esprit ouvert comprendra. L'esprit est là. Comme des langues de feu. Laisse-la, laisse-la. Mets-toi à ta place. Vous saurez que cette élévation ne vient pas de Dieu, mais vient du diable. Mais comme ça s'est passé dans le temple. Or, c'est sur le dessus du temple, le toit du temple que le diable a élevé Jésus. C'est que le diable peut élever quelqu'un dans le temple. Mais la personne peut ne pas savoir. Dis, ah, je viens de me marier. Alléluia. Je viens de me... Mais ton mariage, là, ça te conduit où? Est-ce que depuis que tu t'es marié, tu aimes Dieu davantage? Comme il t'a béni, normalement ton amour pour lui devrait grandir. Mais c'est maintenant que tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Ça montre que ce mariage ne vient pas de Dieu. Et que ça va aller tôt ou tard, une malédiction. Ça va devenir un problème sur ta vie. Tu seras frappé. Quelle est l'élévation dont tu bénéficies? Qui est l'auteur de ton élévation? Luc chapitre 1. Il y a plusieurs types de brisement. C'est pourquoi n'envie pas ton frère et ne sous-estime pas le brisement que ton frère a connu. Quelqu'un peut être privé de maison et peut être un SDF. Ça, c'est le moyen que Dieu a utilisé pour le briser. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être la nourriture qui lui manque. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être une maladie. Quelqu'un d'autre, ça peut être le rejet dans sa famille.
Le brisement viendra par plusieurs moyens. Le brisement, Dieu va utiliser plusieurs moyens. Le moyen qu'il a utilisé pour te briser, ce n'est pas le même moyen qu'il va utiliser pour briser l'autre. Mais le brisement, c'est le brisement. Parce que la finalité, c'est pour t'élever, c'est pour te positionner, c'est pour te couronner. Ne doute pas, il sait où il t'est conduit. C'est pourquoi il a permis que tu sois rejeté, abandonné, incompris, accusé. Il utilisera des voix, il utilisera des canaux, il utilisera des hommes pour te briser, pour t'abaisser. Ne hais pas ces hommes. Ces hommes sont des canaux de bénédiction pour toi. C'est pourquoi le Seigneur dit, bénissez vos ennemis. Ne les maudissez pas. Je les ai utilisés pour te briser, pour te vider, pour que tu enlèves ta confiance en ta propre capacité. Quand tu seras vidé, c'est à ce moment-là que le Seigneur va rentrer en scène. Luc chapitre 1. Laka terebouche. Terebouche. Makataba. Yendebo. L'esprit est là. Ceux qui ont l'esprit des prophètes, ils comprendront. Cette journée sera une journée prophétique sur ta vie. C'est un tournant décisif qui commande dans ta vie aujourd'hui. Luc chapitre 1. Mekebob. Mekebob. Yekebo shikete makata rende kete bokutaya. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Prenez vos Bibles. Écrit. Luc chapitre 1. Maya Baba. Voici le message du jour. Le verset, on va lire. À partir du verset 41 jusqu'au verset 60. Jusqu'au verset 50. Pasteur, tu vas lire. Oui, lis. Lis à haute voix, s'il te plaît. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, Makatabosh, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Lembo Kimba. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes. Tu es bénie entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Le fruit de tes entrailles est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Saute et lis maintenant le verset 46. Ça, c'est Élisabeth. Levez la tête. La salle est remplie. Ceux qui ont l'œil ouvert, ils comprendront qu'on est en train d'entrer dans une atmosphère de rétablissement. Amen. Tu reprendras ton poste initial. Amen. Ce n'est pas un débat, c'est fait. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Lis le verset 46. Élisabeth a parlé. Marie maintenant va parler. Et Marie dit. Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon Seigneur. Mon esprit se réjouit dans l'Éternel. Vas-y. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Il a jeté les quoi? Les yeux. Sur quoi? Sur la bassesse. Sur quoi? La bassesse. Sur quoi? La bassesse. Sur la gloire? Non. La bassesse. Il a jeté les regards sur sa beauté? La bassesse. Il a jeté un regard sur son honneur? La bassesse. Assieds-toi. Levez la tête. Accordez-moi quelques minutes. C'est très fort. Écoutez-moi. Voilà ce que déclare la parole. Marie, il a dit de lever la tête. La Bible dit que Marie, une jeune fille, 15 à 7, 17 ans, 18 ans, était chez elle. Un ange est rentré dans sa maison et dit, je vous salue Marie. Vous qui avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. Marie, c'était une jeune fille vierge. Elle prenait soin
de sa beauté. Elle prenait soin de son corps. Elle était fiancée. Elle n'était pas encore mariée. Elle était fiancée. Et elle avait des arômes. Elle avait des parfums. Elle avait des bonnes pommades. Elle se pommadait. C'est biblique. Elle prenait soin de son corps. Il ne devrait pas avoir de boutons sur son visage. Il ne devrait pas avoir des dâtres. Il ne devait pas avoir des blessures, il ne devait pas avoir certaines souillures physiques. Elle s'entretenait, elle était belle. Mais je vais vous choquer ce matin. Ce message doit rester dans ton esprit et dans ton cœur jusqu'au 31 décembre. Marie! Quand l'ange lui a dit, l'ombre du Très-Haut te couvrira et tu seras enceinte. Tu vas quitter une dimension pour rentrer dans une autre dimension. Tes entrailles vont porter un enfant. Seul, my goodness, qui ont connu Marie, savait qu'elle était belle, elle était droite, une jeune fille bien, jolie. Mais quand l'ombre du Très-Haut, écoute-moi bien, quand l'ombre du Très-Haut a couvert Marie, Marie a commencé à subir une déformation. C'est l'esprit ouvert qui comprendra le langage. La jeune fille qui était droite, la jeune fille qui était sans défaut corporel, dès l'instant où elle a commencé, elle est tombée enceinte. Vous savez que la grossesse a un impact. Celui-là, la physionomie de l'homme, de la femme. Donc la grossesse, là, vient de Dieu. Mais cette grossesse qui vient de Dieu, cette révélation qui vient de Dieu, va dans un premier temps déformer Marie. Le propriétaire de cette parole n'est pas dans la salle. Je suis convaincu, il n'est pas là. S'il était là, il allait comprendre. Comment quelque chose qui vient de Dieu peut-il déformer physiquement une femme? Marie qui était droite, Marie qui était sans défaut, Marie qui n'avait pas de bouton. Vous savez que quand une femme est enceinte, il y a ce qu'on appelle le masque de grossesse. J'ai vu une sœur ici un jour, j'ai été choqué. Je ne dis pas le nom. Elle s'est mariée. Et quelque temps après, elle était enceinte. Elle m'a salué au portail, je ne l'ai pas reconnue. C'est ma femme qui a dit, je lui ai dit, chérie, c'est qui? Elle dit, mais comment ça? Heureusement que tu n'as pas dit ça devant elle. Mais c'est la femme de tel frère. Je ne l'ai pas reconnue. Son visage est devenu très noir, des boutons. Elle était méconnaissable. Comment la gloire de Dieu peut-il être sur Marie? Et pendant que la gloire est sur Marie, Marie, plus la gloire est dense, plus Marie est déformée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse quelqu'un répondre à haute voix, avec un cri qui vient de son cœur. Laisse quelqu'un répondre. Laisse un fou répondre. Qu'il te soit fait, toi qui comprends cette révélation. Quand la grâce de Dieu viendra sur toi, le premier aspect que ça va faire dans ta vie aux yeux des gens, ça va te déformer. Les gens ne comprendront pas comment tu dis Dieu t'a visité et puis tu es déformé. Est-ce que Liam, tu comprends? Tu comprends vraiment?
personne ne comprendra comment la grâce est sur toi et ta démarche change. Les boutons sont sur ton visage. Personne ne croira que Dieu t'a visité. Les gens vont douter. La présidente des femmes va douter. Les chantres vont douter. Les diacres vont douter. Personne ne te croira quand tu leur diras que Dieu m'a visité. On dit, mais si Dieu t'a visité, pourquoi des choses contraires comme ça t'arrivent? Marie qui passait, les gens lui ont demandé, Marie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment? Tu dis Dieu t'a visité, mais comment Dieu te visite et tu es cambré? Comment Dieu te visite et ton visage est rempli de masques, de souillures, de dates? Ils ne te croiront pas. Je vais appuyer. Pendant que Marie se déformait, ce qu'elle portait en elle se formait. Je croyais que quelqu'un avait saisi. Je suis mal tombé ce matin. Je ne suis pas parmi ceux qui sont destinés à ce message. J'ai dit pendant que Marie se déformait à l'extérieur, aux yeux de tout le monde, ce qu'elle portait dans ses entrailles se formait. La gloire se formait. L'élévation se formait. La gloire se formait. Le couronnement se formait. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Pendant que tu te déformes, sous l'action du Très-Haut, la gloire est en train d'être formée. C'est une pièce à deux facettes. Pendant que Marie était déformée, elle crachait partout. C'est-à-dire que même le savoir-vivre est parti. Les gens vont dire, pourquoi tu es délabré? Tu ne peux plus porter des habits propres. Des habits qui te montrent vraiment dans ta gloire. Qui te montrent bien. Parce que quand tu es enceinte, il y a des robes que tu ne peux plus porter. Je parle à quelqu'un. Non, ne permets pas à quelqu'un, je vais vers la fin. Ne permets pas à quelqu'un de saisir la fin en dehors de toi. Saisis le message. J'ai dit pendant que Marie était, pendant qu'elle était, tais-toi. C'est pas de toi. Je ne sais pas pourquoi tu es obligé de répondre quand tu n'es pas concerné. Pendant que Marie était, dis ça plus fort. Ne parle pas comme ton voisin. Pendant que Marie était, la gloire se. Pendant qu'elle s'était. La gloire se, l'élévation se, le couronnement se, la promotion se, la grâce et la faveur se. Si elle refusait la déformation, est-ce que la gloire va se former? Accepte que Dieu te déforme pour te former. Il va te façonner en te déformant. C'est ça le brisement. C'est-à-dire, tu aurais voulu que Dieu te prenne, qu'il t'arrange. Non. Avant, quand il te prend, il ne t'arrange pas directement. Il te gâte plus. Tu comprends, Luc? Il n'a pas fini. Il va te casser encore. Parce qu'il y a un but qu'il veut atteindre. Ils t'ont rejeté, mais il y a pire qui arrive. Ils vont te maudire. Pendant que Marie elle-même, tout le monde la voyait, elle va au marigot, elle va à la fontaine, les gens disent, Marie, qu'est-ce que tu es devenue? C'est quelle odeur ça? Quel sont ce bouton, on dirait firon sur ton front? Tu as dit la dernière fois que l'ange t'a visité. Mais comment l'ange te visite et puis des boutons comme firons? Je refuse cette visitation. Au nom de Jésus, je refuse. C'est quel message ça? Comment Dieu peut bénir comme ça? Tu dis l'homme du Très-Haut t'a couvert. Mais on ne dirait pas. Regarde comment tu es laide. Tu es vilaine. Regarde des boutons sur ton visage. Regarde ton teint. Marie, tu n'étais pas comme ça. Quand tu étais vierge et tu n'étais pas fiancée, avant que l'homme ne te couvre, tu étais mieux. Ils parleront, Léa. Laisse-les parler. Même des gens qui vont parler vont t'étonner. C'est des gens qui sont censés connaître la Bible. Mais ils vont parler. Laisse-les parler.
Le ciel leur a fait la révélation. Ils n'ont pas droit. Donc ils ne peuvent pas comprendre. Pendant qu'elle se déforme, l'enfant lui grandissait. C'est pour ça que les gens ne comprendront pas les paroles de la Vierge. Elle dit, je rends grâce. Parce que quand Dieu t'a déformé, là je vais gâter, quand il t'a déformé et qu'il t'a formé après, cette bénédiction devient générationnelle. Oh, où je me trouve ce matin? Est-ce qu'il y a un fou qui peut crier pendant une minute? Un fou à qui cette parole appartient? Tu ne comprendras pas toute cette humiliation que tu as subie. Les gens diront même que tu as subi ces choses en vain. Regarde, toi qui étais dans une grosse maison avec ton mari, regarde aujourd'hui où tu dors. Regarde ce que tu es devenu. Regarde toi-même. C'est ça Dieu, là, votre Dieu, c'est ça. Quand je te connaissais, ce n'était pas ça. Mais c'est parce que tu as accepté la déformation. Comme tu as accepté le brisement, personne ne te reconnaît. Parce que dans le brisement, personne ne veut de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je termine. Quand Dieu t'a façonné, t'a brisé, brocardé, il t'a vidé de toi-même. Et que tu es là comme intestin de poulet. Est-ce que vous savez comment on fait les saucisses? Hein? Non, c'est pas Bible. Tu baisses ta tête là. Saucisse là, comment on fait? Non, écoute, comment on fabrique? C'est de la viande de porc ou bien de la viande. Mais vous voyez comment, dans quoi on met? Mais intestin là, c'est quoi on fait d'abord? Et quand nous on mange les saucisses, on est content. Mais on ne sait pas qu'il y a un animal qui a souffert. On l'a tué. Non seulement on l'a tué, même tuer là ne suffit pas. Tu crois que tu es mort. Mais même dans mort là, on doit te vider. Il y a une soeur qui m'a dit, papa, je suis morte. Oh. Je suis morte. Toi tu es morte. Ton œil qui est ouvert là. Dieu va te vider. Et quand il n'a pas fini de te vider, mais il ne peut rien faire. Aux yeux de tout le monde, les gens croient que tu es vidé. Dieu sait que tu n'es pas vidé. Il va te... C'est lui qui est l'inspecteur. Je parle à quelqu'un. Et quand Dieu t'a déformé, qui t'a façonné, qui t'a formé, pendant que lui te déforme, il y a quelque chose dans le monde invisible qui se forme. Et ce qu'il est en train de former là, ça va traverser des générations. Amen. Laisse-moi te choquer, Léa. Les gens, tes enfants diront le Dieu de notre maman. Le Dieu de... Et même dans leurs problèmes, diront le Dieu de ma maman. Et pourtant, quand leur maman adorait Dieu, ils ne venaient même pas à l'église. Mais ils diront, parce que Dieu, là où il t'a fait passer... Position, c'est générationnel. Ce qui vient sur toi là, c'est pas seulement sur toi. Tes enfants vont bénéficier. Ils sauront pas pourquoi est-ce que la faveur les accompagne, les garde, les préserve. Ils s'en partent. Est-ce que Léa, tu me comprends? Tu as payé le prix que tu es en train de payer. Élisée va bénéficier. Bichou va bénéficier. Les enfants de tes enfants, de tes enfants, ils ne comprendront pas, mais ils diront le Dieu de ma mère. Tu comprends? Quand aujourd'hui on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on connaît le prix qu'ils ont payé. Ils ont été brisés, déchirés, brocadés, terrassés. Aujourd'hui, on peut se réclamer d'eux. Parce que ce qui est sur eux est pour l'éternité. Il y a des bénédictions quand Dieu dépose sur toi. Ce n'est pas pour 10 ans. C'est pour l'éternité. Et pour cela, c'est pourquoi Marie dit quoi? Levez-vous, on va lire. Levez-vous. On va lire et puis on va partir.
Je vous ai dit ce message. Et tout à l'heure, je vais prier. Je vais prononcer une prière prophétique. Lis la suite. Lis la parole de Marie. Le verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et voici désormais, toutes les générations. Qui vont aujourd'hui, nous qui parlons, qui disons que Marie est bénie, est-ce qu'on sait qu'elle a été déformée? Est-ce qu'on aide-moi quand ta chef mais parce que quand elle était, vous savez, quand Dieu est en train de te briser, personne ne peut te recevoir. Je n'ai pas entendu. De feu là, l'Éternel l'envoie pour continuer cette œuvre parce que tu es devenu là. Je vois une langue de feu sur sa tête. Une langue de feu sur sa tête. C'est un nouveau jour qui commence pour toi. Le temps de l'humiliation, tu as connu l'abaissement, le rejet, l'humiliation. Ils ont juré que toi, c'est terminé. Mais Dieu t'annonce qu'un jour nouveau se lève sur ta vie. Quand Marie était déformée, personne ne voulait en faire son amie. Regarde, la situation que tu es en train de vivre, personne n'a envie de t'avoir. Personne! Même quand tu appelles certaines personnes, ils ne veulent pas te prendre au téléphone. Ils ne veulent pas avoir de contact avec toi. Ils ne veulent pas avoir, ils ne veulent même pas. Ils ne veulent pas que quelqu'un reconnaisse que tu es son ami. Parce que tu es méconnaissable. Parce que tu n'es pas présentable. Mais Dieu est en train de te déformer. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que pendant que Dieu te déforme, Dieu te forme. Il forme la gloire, il forme la sagesse, il forme la promotion, il forme l'élévation, il forme le mariage. Pendant qu'il te déforme, il est en train de former l'élévation. Et ce sera générationnel. Un jour, tes enfants et tes arrière-petits-enfants diront, le Dieu de notre Père. Jésus fait des miracles. Marie dit, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et voici désormais, les générations me diront bien des roses, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Et son nom est saint, et sa miséricorde se tend d'âge en âge. Ceux qui le craignent, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux, écoutez, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il y avait des gens, quand ils regardaient Marie, ils maudissaient Marie. Tes amis, les mêmes chercheront à s'attacher à toi. Or, dans ta déformation, ils n'avaient pas voulu de toi. Levez les mains, l'esprit est là. Les chantres prêtent. L'esprit descendra sur ceux qui sont prêts à recevoir. Je vais passer dans la rangée tout à l'heure. L'esprit va s'emparer. Je vois 8 femmes. Et parmi les 8 femmes, je vois 4 femmes un peu plus bas. On ne chante pas, c'est la musique seulement. Je vois 4 sœurs
qui sont en train de prendre. Je vois une main, je ne vois pas le visage de la main. Je vois une main qui est en train de distribuer des robes. Joue un peu plus bas, joue un peu plus bas. Joue un peu plus bas. Quelque chose est en train d'arriver à quelqu'un. Quelque chose est en train d'arriver à quelqu'un. Je ne vais pas toucher quelqu'un. Le Seigneur m'a dit qu'il est en train lui-même. Une main visible. Ce matin, tu sauras que la malédiction a quitté ta vie. La déformation a pris fin. Tu rates. Tu comprends maintenant pourquoi ils t'ont rejeté. Et tu comprends pourquoi ils t'ont abandonné. La grâce vient sur toi. La grâce vient sur toi. La grâce vient sur toi. Je vois la colonne de feu derrière toi. Et je comprends pourquoi. Aide là. Je comprends pourquoi tu as souffert. Parce que Dieu voulait te déformer. Et c'est pourquoi ils t'ont rejeté. La gloire vient sur toi. Aide là. La gloire vient sur toi. Maman, reçoit la grâce de Dieu. La puissance vient sur toi ce matin. Ils t'ont rejeté et ils avaient raison de te rejeter. Parce que Dieu a accepté qu'ils te déforment. Il a accepté qu'on te déforme. Mais Dieu a formé en toi la gloire. Ils ne pourront pas combattre la gloire sur ta vie. Ils ne t'aiment pas, mais la gloire est là. Ils ne t'ont jamais aimé. Mais je t'annonce ce matin une saison nouvelle. Ta vie ne sera plus jamais comme avant ce 23. Reçois la faveur de Dieu. La gloire sera sur ta bouche. Et tu parleras pour le Seigneur. Ta bouche sera autorisée. Aide-les. La gloire sera sur toi. Tu comprends maintenant pourquoi tu as été rejeté et abandonné. Tu comprends maintenant pourquoi la grâce vient sur toi ce matin. Et sa grâce, Dieu qui a permis que tu sois déformé, il forme en toi sa faveur. La grâce vient sur toi. Tu comprends maintenant pourquoi il a permis que tu sois déformé. Il t'a déformé pour un but. Il t'a déformé pour un but. Aujourd'hui, les mêmes qui t'ont rejeté, ils reconnaîtront la grâce sur ta vie. Ils reconnaîtront la grâce sur ta vie. C'est un nouveau jour. Satan ne pourra pas te vaincre. Parce que tu es une élue de Dieu et sa grâce est sur toi. Sa grâce ne manquera jamais sur ta vie. Ce qu'il a fait pour Marie, il le fera. Sa grâce vient sur toi, madame. Sa grâce vient sur toi. Maintenant, sa grâce vient sur toi. Sa grâce vient sur toi. C'est un jour nouveau. Un jour nouveau. Saisis sa grâce. Ferme tes yeux. Saisis sa grâce. C'est lui qui t'a appelé. Après la honte vient l'élévation. Il t'a déformé pour te former. Kemosh. Nemera katara. Yakatamosh. Il fait des miracles. Il fait des miracles. Il fait des miracles. Jésus fait des miracles. La grâce est sur toi. Tu comprends? Sa grâce vient sur toi. C'est pourquoi il a permis que tu sois déformé. Laisse-la. La grâce est sur toi. Il t'a déformé pour te former. La mort. Ils t'ont accusé, ils t'ont traîné dans la boue. Mais la gloire sera générationnelle. Les enfants de tes enfants reconnaîtront la puissance de Dieu. Je veux que tu comprennes ce matin que ce que Dieu a déposé sur toi, c'est pour ta famille. Les enfants de tes enfants, la
La grâce est sous toi. C'est pourquoi l'ennemi veut te tuer. Mais il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Reçois sa grâce. Le Seigneur t'a appelé ma servante. Reçois sa grâce. Il t'a déformé en son temps. Il t'a déformé pour te former. Il t'a déformé pour te former. Et ce matin, une grâce vient sur ta vie. Une onction vient sur ta vie. Cette main aussi servira le très haut. Ne te néglige pas. Cette main servira le très haut. Ta main est consacrée. Tu seras appelé la servante du très haut. La servante du très haut. Ce qu'il a fait pour Marie est générationnel. Sa grâce ne te quittera pas. Sa faveur. Et les gens diront, le Dieu de Léa, le Dieu de Léa, le Dieu de notre mère. Je comprends pourquoi maman a souffert. C'est pour nous positionner. Levez les deux mains, remerciez le Seigneur. Il te déformera. Mais pendant qu'il te déforme, il est en train de former la gloire sur ta vie. Les païens et les impies ne comprendront pas. C'est un mystère que Dieu a caché à leurs yeux. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Parole de l'Éternel.